تلویزیون السیه فرانسه در گزارشی از افشاگری ویکیلیکس به نقش رژیم ایران در این جنایت انگشت گذاشته است. À la rubrique bat les masques, c'est quand même Wikileaks qui bat tous les records. Il n'y a plus de scoop dans ce seul site internet que dans toute la presse américaine depuis 10 ans. Des 400 000 documents confidentiels livrés bruts vendredi éclairent la guerre d'Irak d'une lumière crépusculaire. Et on y découvre là aussi l'influence décisive de l'Iran. Vincent Roux. Est-ce des retrouvailles ou un adoubement ? En ce 12 septembre 2006, Nouri al-Maliki effectue une visite de courtoisie à Téhéran. Au même moment, la guerre entre chiites et sunnites fait rage à Bagdad. Selon Wikileaks, Nouri al-Maliki est aujourd'hui accusé d'avoir fait alliance avec les escadrons de la mort chiite. En pleine crise institutionnelle, ces révélations font mal. Ils sont aussi explosifs que les armes convoyées par l'Iran depuis le début de la guerre. Une centaine de mortiers en décembre 2006 pour l'armée du Mahdi. Au même moment, selon un rapport américain, cette même organisation planifie une attaque contre la zone verte avec roquettes et armes chimiques. Un autre rapport mentionne la livraison de gaz neuroparalysant. L'Iran se signale aussi par une nouvelle génération d'IED capable de percer des chars blindés ou la livraison d'un missile sol-air. Objectif détruire un hélicoptère américain, mission apparemment réussie. Autre objectif, créer l'instabilité, viser des officiels irakiens. Les instructions sont précises, atteindre le cœur, le dos, la tête ou bien l'estomac, et par-dessus tout, la fragile souveraineté irakienne. La politique de la main tendue initiée par Obama envers l'Iran ne change rien à l'affaire. Illustration avec l'arrestation des randonneurs américains en juillet 2009. Officiellement, ils étaient entrés illégalement en Iran. Selon Wikileaks, ils ont été enlevés de l'autre côté de la frontière, côté irakien. Julian Assange, بنیانگذار ویکیلیکس در مصاحبه با برنامه لری کینگ در CNN گفت اسناد افشا شده حاکی از 285 هزار تلفات در میان شهروندان عراق است.